Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Yooka-Laylee où l'on est toujours dans le monde, dans le livre de l'espace et où je vais enfin pouvoir faire ma transformation. Donc on va voir ce que ça donne. Je me demande en quoi ils vont me transformer. Moi je pense qu'on va se transformer en une sorte de bateau avec un canon. Voilà, c'est ce que je pense. Ah! Le Yooka-Galleon! Bienvenue à vous! Donc là, hop, déplacer et A pour accélérer la natation. On a trois armes différentes. Attends, X. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ça, c'est de la glace, je le fais fondre. Ça, faut que je le fasse exploser. Ça c'est des tirs de glace. Est-ce que je peux sauter? Non, j'accélère, c'est tout. Et sympa celle-ci aussi. Ok, allez, moi je casse tout. Le supplice du pirate, attaché par les pieds. Allez, on y va. Et boum, un coup de lance-flamme en même temps. Et pour ça, j'active probablement un levier qui doit être planqué dans le coin. Allez, 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 allez. Boum, touché. Impeccable. C'est les plumes aussi, pas oublier. Le Yooka-Galleon. Ça fait plaisir, là, les deux dernières transformations ont été vraiment très très sympas. Ah ouais, si j'appuie sur A, j'ai même plus besoin d'appuyer sur avancer, il accélère tout seul. Ok. Assez loin pour l'avoir là. Voyons voir ce que je peux faire en... Ah, peut-être sur un côté. Ouais. Bien. Ouh, j'ai entendu le fantôme. Ouais. On a le fantôme invisible dans le coin. Pour le délivrer, moi lui. Ah, comme ça. Je vais me mettre bien en face. Voilà. Et hop! Une page de délivrée. Elle va tomber. Allez. Il est où celui-là? Juste de ce côté. Ah,
Oh, je suis bête. Il est au-dessus à tous les coups. Trouvé. Ok, ça m'en fait 3. Bon, maintenant faut que j'arrive à... Et je me suis bien raté. Ok, on recommence. Pas du tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Et ça, celui-là, c'est... Ouais, d'accord. Faut que je retourne me transformer en bateau après. Parce que je me suis détransformé pour avoir le fantôme, mais il y a encore d'autres choses à faire avec le bateau que j'ai pas faites. Allez, allez, allez. Eh ben non. J'évite de trop rester en vol parce que je trouve incontrôlable ce mode vol. Et il y a quoi derrière? Non, il y a rien. Et là-bas où il y avait des choses aussi à péter, là-bas. De toute façon, faut que je fasse un tour complet avec le bateau. Ça, c'est sûr et obligatoire. Ok, rien. On continue. On redescend tranquillement. Hop, comme ça on aura eu un max de pluie quand même. Ah bah non. J'espère que je les ai toutes eues, j'en ai pas raté. Normalement ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va se retransformer en bateau, bien sûr, et on va délivrer tout le reste. Je vais refaire un tour complet et je me détransformerai qu'après avoir fait ce tour complet. Attention. On se lance dans la piraterie, les gars, hein. C'est parti. Alors, je baisse beaucoup le son du jeu, donc je sais pas si vous entendrez la musique. Mais elle est tellement classe. Je peux lui parler? Non. Il va falloir que je lui... On reparle quand j'aurai fini. Ok, alors, par là. Il y en a pas mal à détruire des météores. Ils sont tous en place quasiment. Fantôme sur l'eau, chaud hein, quand même. Ok, c'est ouvert. Donc ça c'est bon. Ouais, d'ailleurs la grotte dans laquelle je suis rentré il y a 2 ou 3 épisodes en allant chercher les grenades, je pense que ça se trouve c'était au bateau qu'il fallait l'ouvrir. Ouais, bon c'est pas grave. Vous voyez que c'est le boss, ça? Bonjour. La patate interstellaire là. Hein?
Il faut qu'on lui tire sur la tronche. D'accord, faut les congeler tous les deux en même temps. Tu m'auras pas. Yeah. Ok, mais je sens que ce boss va être très sympa. Ça va être le long slap, mais le reste devrait aller. C'est vrai, l'auto-team bombarde quand même. C'est bon. Ok. Et là, il devrait rester quoi à faire? Ça c'était juste aussi. Allez. Ok, j'ai passé la dernière ligne trop vite, j'ai pas eu le temps de la lire. Mais bon.
Je l'ai battu, j'ai gagné ma page J et j'ai gagné le succès Destruction Planétaire. Ah ben voilà, hein, je crois que j'ai à peu près détruit tous les rochers hein, qui peuplaient cet océan galactique. Je vais quand même faire un petit tour voir s'il n'y en a pas d'autres au bord, sur un bord quelconque que j'aurais oublié. Là j'y suis pas encore allé. Il doit y avoir des pages au-dessus parce que j'entends que ça brille. Ah, là j'ai notre ami le wagonnet. Intéressant. Voilà, on a encore plein de. Attends, il est pas au bout de leur tuyau là. Il remonte encore. Ok, bah là il y a encore tout un tas d'épreuves, j'ai l'impression. Ah, et j'ai pas de quoi passer. Si, par là. Ah mais c'est un reflet bleu, je me suis dit c'est quoi ce pustule bleu sur la boule. Il faudrait que j'y aille aussi, je suis pas encore allé. J'ai exploré juste deux en diagonale, il me restera celui-ci et l'autre là-bas, allez. Ça va être sympa je pense. Ah mais quand je pense à la patate, grattez-moi le dos avec vos canons, tu le tires, ça explose. Ah, là c'était pareil, il fallait faire ça pour avoir les rochers ici. Bon, et ben, je pense que on a tout. Et plutôt que de m'amuser à faire tout le tour, et ben, je vais le faire à l'ancienne. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai la page lit là-bas. Allez voir, je suis pas allé la voir. Je vais tomber dans l'eau. Aïe. Voilà. Pas grave, eux vont me redonner de quoi me régénérer. Boum. Merci. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Ciel. Ah. Allez, j'ai compris. Alors les caisses qu'on voit voler avec les ballons, je suppose que ce doit être les morceaux de la pagie. Il y en a au moins 3. Et qui sait, il y en a peut-être plus. Parce qu'en fait, il y en a un juste là. Là. Ah c'est ça. Boum. Un morceau de page 1. Boum, à la flotte. Toi tu meurs, merci. 1 sur 3. Ah là, c'est ça, c'est les morceaux de pagie qui sont dans les caisses dans le ciel. Très bien. Et si j'en perds autant que j'en gagne, ça va pas le faire. Allez, on va passer par là. Voilà, et le morceau de pagie doit être juste là. Je vais
descendre tout doucement. Juste sur ce rocher, voilà. Impeccable. Oh, notre ami le cochon. Enfin, un de nos amis le cochon. Là, on a le... La bande d'arcade de Rextro. Toi, tu vas mourir. Oh, comme ça. Attends. Attendez-moi 2 minutes, je reviens. Voilà, ça vous va comme ça? Merci. Alors, on tourne. Et voilà. Il ne reste plus qu'à redescendre tranquillement. Oh, je vais tomber sur le... panier, voilà. Bon, et je vais m'arrêter ici pour ce nouvel épisode de Yooka-Laylee. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu, un petit commentaire, partager la vidéo avec vos amis. Moi, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour plus d'aventures dans les pages des livres-monde. Allez, salut tout le monde! Hey, watch out!